Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est la présentation et le test donc, de ce luminaire. Donc la Holophane CA500. Voilà, donc un très beau luminaire. Enfin un très beau luminaire, c'est juste un carré mais c'est sympa. Donc vous allez me dire déjà, mais il est à l'envers le luminaire. Alors non, il n'est pas à l'envers. Bon déjà on n'a pas la crosse, hein. J'ai enlevé la crosse parce que sinon ça prend vraiment trop de place, c'est trop lourd. Déjà là c'est bien lourd comme ça et c'est bien encombrant, donc voilà. Donc la crosse je l'ai enlevée, mais bon, c'est le luminaire nous, qui nous intéresse. Voilà, donc quand il est monté sur crosse, donc là ici on a l'empattement de la crosse, les anthrax. Voilà, et quand il est monté sur crosse, en fait il est dans ce sens là. Quand il éclaire dans ce sens là. Donc c'est pas à l'envers, hein. Je sais que sur une VM c'est dans l'autre sens, mais là c'est bien dans ce sens là, donc c'est bien dans le bon sens. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu le luminaire de côté. Donc c'est très lourd, hein. Ça fait la taille d'un 4x18W, c'est 60 par 60. Voilà, donc c'est juste une caisse, donc CA qui veut dire justement luminaire, pour moi ça veut dire carré ou caisse, un truc comme ça, parce que chez Holophane les dénominations des luminaires ont vraiment un sens, hein. Comme par exemple Holophane TS c'est pour tube sommital, ou Holophane Arrow ça veut dire armature ovoïde. Voilà, c'est vraiment, ils ont vraiment un sens, c'est pas des références comme ça. Voilà, donc du coup, le côté du luminaire, donc il sera à restaurer, hein, celui-là, ça c'est la couleur d'origine. Donc il va falloir rattraper cette couleur-là avec ça, donc sans repeindre. Voilà, donc on a toute la peinture, il y aura juste à la nettoyer. J'ai rien ici, mais on aurait limite pu faire un essai, mais j'ai pas grand-chose. Attendez, vous savez quoi? On va essayer peut-être avec une vieille lingette. Est-ce qu'on peut rattraper un petit peu la peinture? Bon, ça va être compliqué là, c'est... J'ai pas ce qu'il faut. Du coup, voilà. Donc maintenant, on va ouvrir le luminaire, on va passer au plus intéressant. Donc malheureusement, le réflecteur, il est... Attendez, je vais sortir le câble. Voilà. Malheureusement, le réflecteur, il est fêlé. Donc c'est pas grave, j'en ai un autre, je vais le changer. Mais bon, j'attends de restaurer le luminaire avant. Il manque également une vis, j'en ai en stock, j'en ai 4 en stock, ce qui vient d'une autre CA justement. J'ai 4 vis en stock, donc je vais pouvoir changer cette vis-là. Voilà, donc on dévisse. Donc c'est des vis en laiton, tête plate, tout ce qui est plus classique, qui ressemble vachement aux vis de Haru, première génération. C'est les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes pratiquement. Tout ce qui change, c'est la longueur et le fait qu'elles ne soient pas filetées. Alors, je vais vous expliquer. Les vis de CA... Comme vous pouvez voir, elles sont pas filetées sur cette partie-là. Elles sont filetées que en bas. Donc, si vous voulez prendre ces vis-là pour vos haros, c'est possible. Mais il faut la couper et tout refilter. Voilà, donc c'est faisable, hein, mais c'est assez chiant. Du coup, on sort la vasque. Donc, j'ai nettoyé vite fait la vasque quand même au préalable avant de faire la vidéo pour que vous ayez quand même un luminaire entre guillemets propre. Voilà, donc c'est vraiment nettoyé vite fait, hein. C'est juste histoire que ça fasse propre et que quand ce soit allumé, ça fasse pas tout dégueulasse. Donc là, on a la bonne odeur de luminaire chaud, luminaire qui a chauffé avec les insectes là, qui se dégagent du luminaire. Donc c'est une odeur que j'aime bien. Voilà, donc dedans, il est en BF250. Donc dedans, on a deux condos qui sont complètement cuits. Maintenant, de quand ça date, j'aimerais bien savoir. Alors, on va regarder ça. De toute façon, ils sont cuits, hein, j'ai envie de dire cuit pour cuit. Là, une date. Est-ce qu'on pourrait le sortir, peut-être? Vous savez quoi, on va le sortir, on va pas s'embêter. Voilà. Une date. Ah, ici, 7/87, juillet 87. Voilà, donc le luminaire date de juillet 87. Donc, c'est une Eurofane, hein, CA. Mais bon, c'est Holophane qui a fait le luminaire, hein. C'est juste Eurofane, juste écrit Eurofane là. Donc dedans, on a un ballast d'origine, hein, donc c'est un sabir. Par contre, il était complètement détaché, donc plus les vis. En déposant le luminaire, ils étaient un petit peu fracassés, les luminaires un petit peu. Vu le poids, je comprends, hein, ils ont été un petit peu déplacés violemment. Du coup, le ballast, c'était complètement détaché, donc du coup, deux petits fils de fer en provisoire, donc ça tient bien, hein, ça bouge pas. Donc deux petits fils de fer en provisoire, juste histoire que ça tienne et que ça se balade pas dans le luminaire. Et ça marche bien. Ici, le domino d'origine est complètement explosé. Donc j'ai mis ça en provisoire, juste en attendant de refaire le luminaire et de changer le bornier. Voilà, donc ici on a des ficelles de base
qui tiennent la vasque. Moi, je les ai enlevés. Voilà, donc j'ai enlevé propre, hein, juste desserré. Donc de base, c'est attaché entre l'écrou et la rondelle. Donc voilà, donc sur chaque côté. Pour quand on ouvre le luminaire, on puisse basculer la vasque sans l'avoir dans les mains. Mais pour moi, c'est plus pratique. Quand je vais nettoyer, je veux pas avoir d'une vasque dans les mains. Donc voilà. Donc là-bas, on a tout un biome d'insectes et tout. Dedans, on a une BF250. De quelle marque? Oh, magnifique ça. Une Mazda MAF 250 RV, Mazda Ura. Alors, je vous assure que c'était pas prévu. Je n'ai pas ouvert le luminaire avant. Je l'ai ouvert il y a longtemps, mais pas actuellement. Donc, elle est claire en plus. Elle est bien transparente. J'espère qu'elle marche. Donc, normalement, la lampe qui est dedans, elle est censée marcher. Comme le luminaire était déjà câblé, elle est censée marcher. D'accord, la douille s'est complètement détachée. C'est génial. Je rattacherai ça hors caméra. Ouais, mais je fais comment pour laisser la lampe maintenant? Prochain, je vais vous la faire tenir. Voilà, on va dire que c'est bon. Je remettrai ça juste après, elle s'est détachée. Voilà, donc on va tester le luminaire d'abord ouvert, on le testera juste après fermé. Donc 3, 2, 1, je vais envoyer la patate. 3, 2, 1. Et ça marche pas. Génial. Petit fail. Alors, est-ce que c'est notre lampe? Donc, on va essayer de. Bon, vous savez quoi, je reviens, je vais tout rattacher. Donc, nous revoilà. Voilà, donc j'ai rattaché la douille. Hein. Donc, ça bouge encore un peu, mais ça bouge plus, c'est normal. Hein, c'est le support qui est un peu souple. Donc, voilà, mais maintenant, on va retester. J'espère que la lampe elle fonctionne. 3, 2, 1. Ok, ça marche. Nickel. Bon, la lampe n'est pas neuve, hein. Elle est en bon état, mais elle n'est pas neuve parce qu'elle démarre pas rose. Voilà, donc maintenant on va mettre la vasque. Ça sera quand même plus sympa avec la vasque. Et voilà. Donc il n'y a pas besoin de remettre les vis. Hein. Ça sert à rien. Et voilà ce que ça donne. Donc le réflecteur est tellement pété qu'il tient même plus. Hein. Voilà, c'est ça aussi qui fait que la douille s'est détachée, c'est qu'en fait, vous voyez que le réflecteur ici, il est pété, et il est séparé en deux carrément, et en fait, ça vient jusqu'au point de fixation qui tient tout le chariot de douille, et en fait, du coup, ça tient plus, c'est plus droit, et donc du coup, ça tient plus. Il faudra que je change le réflecteur, j'ai ce qu'il faut en stock, et puis ça repartira comme en 40. Enfin, voilà quoi, donc un très très beau luminaire. BF250, donc en plus on a une belle BF Mazda Ura dedans qui fonctionne à merveille. Donc, je vais juste éteindre les lumières, ce sera mieux. Vraiment un très 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 beau luminaire. J'aime beaucoup la CA, malgré que ce soit juste un carré, j'aime beaucoup la CA. Voilà, donc c'est vraiment la classe hein, quand même, franchement c'est la classe. Je vais le lever. Malgré qu'il faut que je tienne la vasque parce qu'elle n'est pas vissée. Voilà, donc ça donne ça. Donc c'est classe. Hein. Bon, ça éclaire vert hein, à la caméra, mais vous savez que ça éclaire blanc. Donc la BF, par contre, éclaire vachement bien quand même. Hein. On est quand même sur une BF qui éclaire vert vraiment bien. Donc elle est utilisée, mais elle est encore en bon état. Hein. On voit que ça éclaire. Pourtant, il n'y a que ça qui est allumé. Donc, ça éclaire vraiment bien. Enfin, voilà quoi. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut !